Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mes pages. Alors, je vais vous montrer. J'ai la doublure de page ici. J'ai l'ouverture pour la carte ici. Et même chose derrière. Alors, j'ai fait ça pour mes quatre pages. Là, j'ai remarqué un petit problème. Alors, si jamais vous regardez cette vidéo avant d'installer vos doublures de page, d'ailleurs, je vais en avoir parlé dans la boîte de dans la vidéo dévoilement, que moi, j'avais l'intention de mettre alors une page comme ceci, avec l'ouverture ici, la carte en haut. Alors, l'ouverture ici attachée à la tranche. Puis, je vais mettre une autre comme ceci, avec la carte en haut ici et l'ouverture à la tranche ici. Le problème qui arrive, c'est que il a fallu que ma doublure de page soit de l'autre côté. Alors là, ici, faut oublier ça, d'avoir une pochette aussi proche de la tranche, parce que j'ai l'impression que ça sera pas suffisamment... on n'aura pas d'accès assez pour aller mettre une carte. Surtout que la carte qu'on va faire, le fait qu'elle est double, toute matée, tout ça, l'espace photo, va faire que ça va probablement être assez épais, donc on ne pourra pas la plier pour l'entrée. Alors, je vais devoir abandonner l'idée d'avoir une page comme ceci, une page comme ceci. Idéalement, il aurait fallu que ce soit comme ceci. Ça aurait été bien. C'est intéressant de voir qu'on a des pages, alors, comme ceci et comme ceci. Alors, pochette en haut ou pochette sur le côté. J'aurais pu le faire quand même si j'avais trouvé une façon de faire un système de reliure qui est différent. Mais non, finalement, je vais garder mon idée de les avoir comme ceci. Alors, désolé, mais si vous voulez le faire, vous, dans ce sens-ci, les mesures fonctionnent toutes bien. Si vous gardez ici 1 cm pour la... centimètres pour le gousset d'aisance, pour la reliure, vous avez suffisamment d'espace ici. Alors, on arrive environ à 5-6 mm du côté. Puis c'est correct. C'est juste que la carte ici, peut-être vous ne pourrez pas l'avoir tellement large. Alors, ça reste que probablement que l'idée première d'utiliser ma cartonnette ici, c'est correct pour faire les pages dans ce sens-ci, mais pour les faire dans les deux sens, ça ne fonctionne pas. Alors, voilà. Alors, ça, c'est réglé. C'est correct, on le fera dans un autre projet. On calculera en conséquence. Là, maintenant qu'on a appris qu'on ne peut pas faire juste ça avec nos cartes pour avoir la tâche ici, la carte en haut, en ayant la doublure de page là. Il faut vraiment avoir la doublure de page de l'autre côté. Alors, si vous voulez faire, tant mieux. Mais je crois que pour ce qui est de la cartonnette, il faudrait calculer au moins probablement 1 cm de plus large. Moi, ici, j'avais... j'ai 18 cm. Alors, il faudrait avoir 19. OK? Pour ce qui est de la largeur. La hauteur, ici, moi, j'ai 20. Puis j'ai 21 et demi, 22. Alors j'ai 22, puis j'ai 20 ici. Donc pour la hauteur, ça c'est pas un problème, il y a amplement d'espace. Alors moi je vais les faire dans ce sens-là, c'est correct. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai regardé mes chutes. Alors j'ai tout classé mes chutes. C'est rare qu'on fait ça, mais j'ai tellement de chutes. Regardez tous les beaux gros morceaux, il y en a des plus étroits un petit peu. Là. Je les ai pas tous classés. Mais bon, j'ai beaucoup de chutes de cette largeur. Qui fait que je vais probablement ne pas avoir besoin de beaucoup d'autres papiers que ça. Vous voyez tout ça ici. On a quand même 8 pages, c'est pas énorme. J'ai celle-ci, c'est un petit peu plus grande. J'ai tout plein de bandes ici pour des pochettes. J'ai des petites ici peut-être pour des espaces en serre. J'ai des plus larges comme ceci pour des pochettes. Alors, j'ai classé toutes vos chutes et puis vous allez voir qu'en récupérant tout ça, ça se peut que finalement, ça ne nous prenne que 16 pages pour faire nos 16 feuilles pour faire toutes nos pages et nos interactions. Aussi, une autre chose à considérer. Alors moi, dans mon cas, j'ai des cartes de ce format. Alors, ça, je vais enlever ça. Probablement qu'elles sont un petit peu trop grandes ici, parce que moi, j'aime bien laisser 1 mm chaque côté. Mes rabats, les autres, ils vont arriver tout juste ici, mais ma carte, je vais devoir enlever peut-être 1 mm chaque côté. C'est correct. On peut ajuster parce qu'on a du design ici, du papier, le dessin de fond, c'est plus large et puis ça peut nous permettre vraiment d'en enlever un petit peu si on a besoin. Alors, j'ai regardé ce que j'avais de cartes. Alors, j'ai les 6 cartes du départ. Non, j'avais 6 cartes, il m'en manquait 2. Tu peux combien est-ce que j'en ai ici, là? J'en avais 4. Et puis, alors j'ai pensé que peut-être je pourrais en prendre une pour chaque 4 photos. 4 pages sur le dessus. Alors, un rabat sur le dessus avec ça. Faire un journaling. C'est parfait. C'est mieux d'avoir un journaling que d'une photo peut-être sur le dessus. À l'intérieur, c'est correct. Alors, on aura ça peut-être comme rabat. Et puis, j'ai regardé pour... j'avais dit que je ferais une page Halloween. Alors ici, je vais utiliser une de mes petites cartes. C'est la plus grande que j'ai sur ma feuille. Alors, je vais la découper. Je l'ai ancrée. J'ai celle-ci qui est d'un bon format.
Puis, j'ai ces deux-là ici. Bon, il y a beaucoup de mots en anglais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vais les mettre quand même. Au pire, quelqu'un peut toujours mettre une petite photo s'il ne veut pas avoir les mots en anglais. Alors, je me trouve à avoir mes 8 rabats du dessus, OK, avec ce qu'on a ici. Alors, vous, si vous avez des cartes d'un format différent, vous pouvez y aller avec le format que vous avez. Alors, comme ici, moi, je vais prendre la même largeur de cartes que je vais prendre pour les de rabats que je vais prendre pour les grandes cartes, mais je vais ajouter des incrustations parce que je trouve que ça fait bien joli. Puis, peut-être qu'il y en aurait même dans ce sens-ci, là, des rabats. Alors, c'est comme on veut, tout dépendamment du design, si on écrit quelque chose. Comme celle-ci, elle est comme ça, c'est certain. Celle-ci, elle va être comme ça, c'est certain, parce qu'on a le choix. Celle-ci, ça peut être dans l'autre sens aussi. Celle-ci, c'est certain qu'il faut qu'elle soit dans ce sens-ci. Ça, ça peut être du sens qu'on veut. Alors, j'en ai déjà 3 ici qui sont dans le sens horizontal ou portrait, paysage. Et puis, j'ai les autres ici, les 4 autres ici qui peuvent être portrait. Alors, question de faire différent. On peut en faire 2, 4, 2 et 6 ou 4, 4, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais prendre mes rabats comme ceci. Voilà. Et puis, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même largeur que ma page. Alors là, vous pouvez faire vos flèches et les tranches, OK? Parce que là, c'est important, on doit savoir quel côté est la tranche. Comme vous avez vu, pour les doublures de page, ça ne fonctionnait pas parce que on avait une pochette du côté tranche. Alors, regardez toujours où est-ce que vous avez votre ouverture. Faites le X du côté de l'ouverture ici, avec la pochette en haut, et puis la flèche. Faites ça sur chaque. Voilà. Alors, je vais commencer par une. Les autres, je les mets ici. Alors, comme je disais, je calcule un rabat ici. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais prendre les plus grandes. 2, 3, 4. Je vais prendre les plus grandes pour mes plus grandes, pour ceux-là ici, mes plus grandes cartes que j'ai ici. Alors, je vais prendre les plus grandes pour ces 4 cartes ici. Voilà. Alors, ici, j'avais dit j'en prendrais 2. Alors, ici, j'ai la bonne largeur. Peut-être, si vous avez un tout petit peu plus, vous l'enlevez. Gardez des deux côtés. Peut-être que c'est suffisant. Non. Alors, je vais enlever un petit 1,5 mm. J'ai la bonne largeur. Je vais me faire une couture en haut. On peut, moi, je ne ferai pas de gousset, je crois, là-dessus. Ça va être tellement simple, là, je ne veux pas de gousset. Alors, je fais ma ligne de pliure ici. Je vais biseauter ici. Je plie. Je vais quand même faire mon arrondi pour que mon rabat soit bien plat. Comme ça. Alors, ça, je vais le coller là. Alors, ça, je vais en faire 4. Alors, 2 horizontales, 2 verticales, je pense. Parce que je ne veux pas avoir tout pareil. Alors là, je vais commencer par le X à gauche. C'est notre page 1, avec l'ouverture ici. Okay. Alors, je pose ça tout juste en haut, sur le long de ma doublure de page, parce que la doublure de page devient notre espace de page, finalement. Ça, ce n'est qu'une pochette. On va mater l'intérieur à la fin, puis on va faire nos cartes plus tard. Alors ça c'est fait. Une chose aussi je voulais vous dire quand vous avez fini de faire vos cartes. Alors moi ce que j'ai fait c'est qu'avec mon plioir encore, j'ai accentué mes petits goussets que j'avais formés juste à presser. Attention ici, si vous arrivez que vous avez 1 mm du papier cartonné qui est simple, alors n'est pas pressé parce que ça va tout écraser. Alors faites surtout les autres côtés. Okay? Faites tout ça. Comme vous voyez, ça fait très propre. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, en bas de ça, je vais mettre une pochette. Alors là, je vais aller avec. Je vais mettre ce côté ici tout de suite. Je vais mater plus tard. Alors, des petites cartes, petites pochettes ici. Alors, celles-ci sont juste la largeur, donc ça va être pour des espaces en serre. Donc, je vais prendre un peu plus large pour des pochettes. C'est pas nécessaire qu'elles soient toutes la même largeur pour toutes les pages. Mais je vais à peu près toujours avoir une pochette dans le bas de mes pages, puis des rabats différents. Ma colle qui colle encore, qui coule encore. Des rabats de différentes directions. Alors ici, je vais couper ici. Alors, je me fais une pochette. Je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques que je me suis faites.
efface mes marques. Ça, ça coule tout le temps. Je comprends pas. Je vais plier. Je vais biseauter à la base. Alors là où on biseaute, on va mettre une filmine de colle à la base. Ça va être collé en bas. Puis on met la colle sur nos coutures. Excusez, là, j'ai de la colle sur les doigts. Puis la bouteille, il y a de la pression à l'intérieur. Puis ça coule sans arrêt même. C'est les debout. Alors ça, je vais poser ça ici à l'intérieur. Juste en bas. Voilà. Avec cette colle. Cette colle. Alors, j'en mets bas ici. Puis, je vais en faire quelque chose d'autre à l'intérieur. Peut-être un petit rabat ici, tiens. Alors, je vais prendre une bande plus petite. Très simple, très simple. Alors, je vais faire la largeur ici de ma pochette, parce que là, je travaille sur la pochette. Je vais garder toute la hauteur. Je me fais une ligne de pliure. Pas large, je fais juste 6 mm, c'est juste pour je veux pas perdre trop de ma longueur ici, donc j'ai fait juste 6 mm comme ceci, arrondi, bien important. On va biseauter les coins de la couture, puis éventuellement je vais tout arrondir mes coins. Alors ici, je mets de la colle ici. Arrête de couler, toi. Alors, je colle ça ici. Puis, alors moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux de chaque. Alors, je vais refaire la même chose sur une autre page. Ça peut être de l'autre côté. Question de faire différent. Voilà. Alors, ça, c'est collé. Puis, une attache. On pourrait faire une attache avec... soit un aimant ou soit une attache avec la ficelle, une attache parisienne et puis un petit cercle. Alors, dépendamment de ce que je vais mettre comme image. De toute façon, je vais la mettre en haut. Alors, j'aurai du papier design différent ici. Peut-être j'aurai un petit peu en haut pour une incrustation et autre chose ici. Alors, je vais faire avec mon poinçon 2,5 cm ou un pouce. Je vais utiliser des chutes. Des petites chutes ici, justement, du bon format, je crois. Et tout juste. Alors, je vais faire une comme ça, et puis une dans mon papier design. Alors, je pense que je vais faire celui-ci. Alors, je vais coller ça ensemble. Je vais aléatoirement avec le papier design que j'ai choisi. Là. C'est pas songer parce que j'ai pas pris le temps de regarder quel papier je vais mettre, mais c'est correct, ça va aller bien. C'est une couleur neutre, juste brun. Si vous avez de l'encre, vous pouvez ancrer le côté ici. Moi, je vais tout ancrer avec du brun. C'est du Walnut Stain de Tim Holtz. Ici, je vais percer un petit trou de 1 mm au centre. Avant, je vais faire mon petit, ma petite marque au crayon. Là, vous tournez. Si vous voyez qu'éventuellement, il est comme plus d'un côté, c'est que vous n'étiez pas au centre. Donc, vous allez changer pour l'avoir un petit peu à côté. Là, je suis au centre. Je vais prendre une attache parisienne jaune. La ficelle, je vais prendre la brune. Je trouve le bout. Ici. Alors, un petit bout de ficelle. Alors là, la ficelle, moi, je vais la poser tout de suite ici. Ici. Okay? Parce que je veux que le papier soit maté par-dessus. Et puis qu'elle vienne s'attacher sur le dessus ici pour fermer tout ça. Alors là, il faut vérifier si on est bien au centre. Alors, si je mets ça ici, je vois mon centre. Alors là, vous faites toujours un U. Comme ceci, quand vous posez la ficelle. Pour que... quand vous allez tirer, que ça soit bien fixé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en bas ici, plutôt. Alors, vous faites un U avec votre ficelle, et puis ici, on va la faire sortir en bas. Toujours sortir sur le côté. Puis bien centré. Alors, ici, je ne suis pas centrée du tout.
pousser ici. Comme ça. Là, quand je vais mater le papier design, je vais remettre de la colle. J'utilise la colle à tissu, parce que la colle blanche ne collera pas la ficelle et tout ça. Je vais remettre une goutte, puis je vais pouvoir mater. Je vais arrondir mes coins. Puis là, ensuite, je vais pouvoir percer. Ici, est-ce qu'il est percé? Je perce. J'ai mon attache parisienne. Alors là, ici, vous allez décider à quel endroit vous voulez l'avoir. Il faut avoir maté tout ça ici, sur le dessus, mais il ne faut pas avoir maté l'intérieur, parce qu'on va avoir les petites pattes de l'attache parisienne. On va vouloir cacher. Alors, c'est important de mater tout ça, mais pas l'intérieur. Alors, vous allez mater tout ça. Ensuite, vous allez décider à quel endroit vous le mettez. Alors, je vous conseille peut-être de ne pas avoir un dessin ou une place d'écriture dans le bas de la page pour pas que ça bloque. Alors, puis enlever la petite attache parisienne, puis vous allez décider à quel endroit vous voulez l'avoir. Alors, je recommande de laisser peut-être au moins 5-6 mm. J'ai fait une marque ici, mais je vais vérifier si je suis bien au centre. Alors là, le centre, c'est plutôt ici. Alors là, je vais faire un petit trou ici. Puis, là, je la fais tout de suite, mais vous allez avoir maté sur le dessus. Puis, je vais l'installer ici. Comme ça. Ensuite, je vais pouvoir mater ici. Puis, je vais arrondir les coins aussi. Alors, on a la pochette. Comme ça. On a ça ici. On a ça ici. On va la pochette ici pour une carte. Et puis, ça ici pour une carte plus simple. Juste un papier plié. Mais ici, vraiment une carte déco. Puis ici, je vais avoir un bel embellissement. C'est-à-dire une belle carte. Alors ça, je vais en faire deux. Je vais en faire une autre, l'autre côté, sur une autre des pages. Et puis, je vous reviens avec probablement deux autres pages. Une ou deux autres pages. On va toujours faire en deux. Alors, on va avoir quatre vidéos pour les pages. Mais comme je vous dis, vous pouvez faire comme vous voulez, si vous voulez changer. Alors, c'est pas nécessaire de faire comme moi. Alors, je vais finir celle-là au complet, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Puis, je vais en faire une autre. Puis ensuite, je vous reviens pour deux autres pages. Mais double. On l'a fait deux fois chacune. Alors, à bientôt. Merci. Bye-bye.